Nous parlons des femmes. Elles ne siègent à l'Académie française que depuis une date plutôt récente. Le 6 mars 1980, c'est le jour où Marguerite Yourcenar est entrée sous la coupole. Il aura fallu attendre près de 350 ans pour qu'une femme accède enfin au fauteuil de cette vénérable institution. Une élection vécue comme un coup de tonnerre. Ça a d'ailleurs été assez compliqué parce qu'il n'y avait que des toilettes pour hommes. Donc on a mis toilettes hommes et Marguerite Yourcenar en face. Hein, c'est un peu ça l'histoire, Baptiste. Effectivement, ça a été compliqué. Il y avait de la défiance, peut-être un peu de haine aussi derrière. Moi, je vais vous parler d'amour avec Marguerite Yourcenar, puisqu'elle disait que manier les mots, les sous-peser, c'est une manière de faire l'amour. On va découvrir son histoire. Très bien. Eh bien, parlons d'amour avec vous. En tout cas, découvrons tout de suite le parcours hors norme de la première femme élue à l'Académie française. Le dernier bastion du sexisme est tombé. Marguerite Yourcenar, élue à l'Académie française. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Académie française n'avait pas vu cela depuis 345 ans, depuis sa création. Une femme, en effet, chez les immortels, Marguerite. 6 mars 1980. Ce soir-là, sur Antenne 2, un visage fait la une. Un nom que beaucoup de Français découvrent pour la première fois. Marguerite Yourcenar. C'est dans le Nord qu'il faut se rendre pour retracer la vie de l'écrivain. Son histoire, ou plutôt celle de son anagramme, Crayoncourt. Marguerite de Crayoncourt. J'ai longtemps cru avoir très peu de souvenirs d'enfance, mais je me trompais. Certains reviennent aujourd'hui comme une chambre au volet clos dans laquelle on ne s'est pas aventuré depuis longtemps. Ces mots sont extraits de Quoi l'éternité de Marguerite Yourcenar, bien sûr publié en 1988. Vincent de Crayoncourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes le petit-neveu de Marguerite Yourcenar. Si vous m'avez donné rendez-vous ici à Saint-Jean-Scapel, tout près de Lille, c'est pour une raison bien particulière, puisque Marguerite, on parlait de souvenirs d'enfance, son enfance, elle l'a vécue ici. Absolument. Après sa naissance en Belgique, à Bruxelles, elle a passé de longues années entre Lille et ici, le Mont Noir. C'est une maison qui a été construite en 1824. Et elle a été détruite en 1914 par un incendie. Il faut imaginer, à l'époque, une bâtisse beaucoup plus grande. Marguerite vient ici les étés, donc quelle petite fille est-ce qu'elle était ? Une petite fille extrêmement curieuse, extrêmement intelligente, très déterminée. Elle avait une chevelure très noire, des yeux transparents, très forts. La campagne, les premiers jeux d'enfant, Marguerite les découvre sans sa mère, décédée quelques jours après sa naissance. Son père note très vite que Marguerite souhaite écrire. Ça a commencé par de la poésie. On a des traces d'écrits autour de 10 ans. Elle va publier assez jeune, effectivement, un recueil de poèmes. Elle savait que quelque chose l'attendait, qu'un destin se dressait devant elle. Et elle ne s'en cachait pas dès plus jeune âge. « Ma première patrie ont été les livres », écrira-t-elle à la fin de sa vie. Aujourd'hui, cette maison abrite une résidence d'écrivains, encore empreinte du souvenir de Marguerite. Dans les années 30, Marguerite Yourcenar partage sa vie entre Paris, Lausanne ou encore Istanbul. En 1939, elle traverse l'Atlantique, elle part s'installer aux États-Unis. À Mont-Désert, une île dans l'état du Maine, Marguerite est surtout partie rejoindre Grace Frick, une Américaine rencontrée à Paris en 1937. Vincent, lorsqu'on fait le portrait de quelqu'un, vient toujours le moment où on évoque les relations amoureuses, les sentiments. Alors avec Marguerite, c'est un petit peu plus complexe qu'avec les autres. Elle était attachée à l'être universel en soi, si on peut dire. Pas forcément homme, pas forcément femme. Elle a d'abord aimé des hommes. Elle a eu des modèles, un éditeur en particulier auquel elle s'était beaucoup attachée. Et puis il y a cette relation très particulière avec Grace Frick, sa traductrice américaine. Dans cette maison de Mont-Désert baptisée Petite Plaisance, Marguerite Yourcenar et Grace Frick vivent ensemble. Dans une société où l'homosexualité est encore tabou, Marguerite refuse de se mentir, tout comme ses personnages. Lorsqu'un écrivain parle à la troisième personne, c'est un jeu déguisé. Dans Alexis ou le traité du vin combat, c'est un homme qui avoue à sa femme qu'il est homosexuel, il annonce qu'il la quitte. Est-ce qu'à travers lui, c'est pas Marguerite qui nous parle ? C'est un livre particulier, c'est son premier roman. Elle est publié en 1929. Dans ce livre, elle fait l'effort d'aller chercher, d'aller puiser au fond de son enfance les raisons qui ont pu expliquer cette orientation-là. Et donc oui, bien sûr, c'est Marguerite qui parle, sans doute. Grace Frick, compagne de la femme, traductrice de l'écrivain,
décède en novembre 1979, près de 40 ans après leur rencontre. Un drame que Marguerite Yourcenar évoque dans sa correspondance avec son frère Georges. Un homme à qui elle a écrit pendant toute sa vie. Que pouvait-il se raconter dans ses lettres ? Alors, ils se sont dit beaucoup de choses. Ce sont des lettres extrêmement vivantes. Je pense que Marguerite a entretenu avec mon grand-père sa plus foisonnante correspondance. Dans ses lettres, l'écrivain se confie. Son quotidien aux États-Unis et les œuvres qu'elle écrit, comme Souvenirs pieux, Archives du Nord, Écho à l'éternité. Georges a-t-il été d'une certaine manière une aide pour construire cette grande fresque que représente Labyrinthe du Monde avec ses trois grands ouvrages qui parlent de la famille notamment ? À ses heures perdues, mon grand-père faisait de la généalogie. Il a beaucoup exhumé de textes, d'illustrations, d'actes civils, d'extraits de naissance, de mariage, etc., qui ont permis à Marguerite d'enrichir son travail. En particulier, le deuxième tome de la trilogie, Archives du Nord, qui est consacré en particulier à l'histoire des Crayencourt. Cette lettre, elle est intéressante. Nous sommes en 1979, Marguerite n'est pas encore entrée à l'Académie française, mais le 15 octobre 1979, quelque part, elle s'en amuse, puisque au verso de cette lettre, elle colle cet article du Soir, un journal belge, qui se pose cette question, Marguerite Yourcenar, première femme à l'Académie, est-ce que ça lui importait réellement d'entrer à l'Académie française ? Ce n'est pas une démarche qu'elle a entreprise, on est venu la chercher. Le soutien de Jean d'Ormesson a été déterminant. Mais donc il y avait à la fois une vraie reconnaissance par Marguerite de ce qu'était l'Académie, et puis à la fois un certain détachement assez propre à Marguerite, qui lui a fait dire, un peu de temps après son élection, à un journaliste qui lui demandait ce que ça lui faisait de rentrer à l'Académie, une belle jambe. C'est ce qu'elle a répondu. 6 mars 1980, Marguerite Yourcenar vient tout juste d'être élue à l'Académie française. Bonjour Bernard Pivot. Bonjour. Je vous propose de remonter un petit peu le temps et de regarder cette vidéo. J'avais l'idée que l'Académie pendant 300 ans, n'est-ce pas, avait vécu sans femme et qu'elle pouvait encore vivre 300 ans. Ah, ça fait très mal. Est-ce que ça lui importait réellement à Marguerite Yourcenar d'être élue à l'Académie française ? Oui, parce que ça faisait tomber une... C'était une féministe. L'Académie française était une sorte de temple, vraiment, de la masculinité et de la supériorité des hommes sur les femmes. Donc, elle a fait tomber ce tabou. Et en revanche, après, on ne l'a plus jamais vue à l'Académie française. Elle n'est plus jamais venue. Elle a eu son heure de gloire. Elle a été élue. Elle a fait un splendide discours. « Vous m'avez accueilli, disais-je. » Accompagnée d'une troupe invisible de femmes qui auraient dû recevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au point que je suis tentée de m'effacer pour laisser passer leurs ombres. Je voudrais savoir, Marie Yourcenar, depuis quand sur votre passeport, à la rubrique profession, il y a marqué écrivain ? Je me rends compte que c'est depuis 1929. C'est-à-dire que j'avais 25 ans. À Petite Plaisance, face à Bernard Pivot, deux mois avant la mort de sa compagne, Marguerite Yourcenar parle de son œuvre. Mais le drame qui se joue dans sa vie à cette période, elle le confie aux journalistes, loin des caméras. J'avais demandé pourquoi, finalement, il n'y avait plus de livres d'elle qui étaient traduits, ses derniers livres n'étaient pas traduits en langue anglaise. Et alors, elle m'avait répondu que, eh bien, parce qu'elle ne voulait pas que Grace Frick voit de son vivant des livres d'elle traduits par une autre personne, par un autre traducteur ou une autre traductrice. Donc, elle avait refusé de voir ses livres traduits en langue anglaise. Alors, Cocteau dit « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Eh bien, je trouve que c'est une des plus belles preuves d'amour que j'ai rencontrées dans ma vie. Marguerite Yourcenar décède en 1987. Elle repose aux côtés de sa compagne, aux États-Unis. 30 ans après sa mort, l'écrivain inspire encore. Il fallait bien finir par remonter chez moi, ôter de nouveau mes vêtements, comme j'aurais souhaité peut-être pouvoir me débarrasser de mon corps et m'allonger entre les draps, où cette fois le sommeil venait. Le plaisir est trop éphémère. La musique ne nous soulève un moment que pour nous laisser plus tristes, mais le sommeil est une compensation. C'est Marguerite qui parle ou c'est Alexis ? Là, c'est Alexis. Alexis, c'est le personnage qui veut se libérer pour assumer sa sexualité. L'acteur, c'est Amaury, petit-neveu de l'écrivain. Avec son frère, il répète depuis plusieurs semaines un spectacle dans lequel
les différents protagonistes des romans de Marguerite Yourcenar parleront d'une seule voix. Découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Yourcenar, Marguerite, celle qui a ouvert aux femmes les portes d'une institution jusqu'ici réservée aux hommes, l'Académie française. Alors, c'était un vrai débat, Jean-Marie Roy. Est-ce qu'on est allé chercher Marguerite Yourcenar pour qu'elle entre à l'Académie française? La légende dit que c'est Jean d'Ormesson qui a été envoyé en ambassadeur. Ou est-ce qu'elle, elle avait ce désir? Vous savez, je crois que Jean d'Ormesson a été en flèche, parce qu'il est considéré que, c'est vrai que c'était bizarre qu'il n'ait jamais eu de femme avant. Elle-même, si vous voulez, a voulu avoir l'honneur, mais elle n'a pas voulu avoir, finalement, je crois qu'elle méprisait un peu tous ses honneurs, en tout cas. Donc elle a accepté simplement de se présenter, d'être élue, et ensuite elle est partie. Marguerite Yourcenar, elle a évidemment eu cet honneur d'entrer à l'Académie française, elle en a un petit peu souffert, c'est ce qu'aujourd'hui explique aussi ses petits-neveux, souffert pas directement, mais parce que, du fait, on parlait du prestige de l'Académie française, ça lui a conféré un petit peu une image d'auteur inaccessible, oui, alors très compliquée, très philosophique. En fait, elle est incroyablement facile. Elle est incroyablement simple et qui est aujourd'hui très étudiée chez les jeunes, c'est chez les bacs littéraires, par exemple. Délicieuse. Bien sûr. Il faut vraiment lire Marguerite Yourcenar. Alors, est-ce que c'est vrai, en tout cas, ce que dit Bernard Pivot, qu'à peine a-t-elle été élue et fait un très joli discours, qu'elle a déserté la coupole? Oui, elle n'est plus jamais revenue. Parce que je crois qu'elle n'avait pas du tout envie de s'embêter, à venir aux réunions. Elle se sentait un peu au-dessus du lot. Oui. Elle se sentait un peu au-dessus du lot. Et je pense que le fait d'être confrontée aux autres académiciens qu'elle trouvait peut-être elle moins... Sentait, alors justement, vous plus parlez qu'au-dessus différente. Du lot, elle se sentait différente. Elle est la première à avoir évoqué l'homosexualité, par exemple. Elle est la première à avoir évoqué l'homosexualité, pas que dans Alexis ou Traité du vin combat, puisque en fait c'est un thème qui jalonne quasiment toute son œuvre. Il y a les mémoires d'Adrien, Les mémoires d'Adrien, il y a le Renoir aussi, où Zénon est homosexuel. Pour l'homosexualité, Pierre Loti avait lui-même largement dans son œuvre, enfin, laissé entendre qu'il était homosexuel. Donc, je parle de femme. Elle est pionnière à plus d'un titre, notamment à l'Académie française. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais c'est ce qu'elle dit lorsqu'elle entre à l'Académie française. Elle dit bien des femmes avant moi auraient mérité cet honneur. Je suis tentée de m'effacer pour laisser passer leurs ombres. Pourquoi elle a accepté l'Académie française aussi, Marguerite Yourcenar? Parce que c'était une femme. Et parce qu'elle s'est dit c'est aussi un moyen de faire entrer les femmes à l'Académie française. Mais ça l'arrangeait aussi, c'était une grande féministe, faut pas l'oublier. En tout cas, elle a encore de beaux jours devant elle, cette institution qui fait rêver, mais en tout cas qui fait parler. Oui, mais je crois que cette défense de la langue française, c'est vraiment son combat, et je crois qu'il faut qu'elle soit un peu plus virile dans la défense de cette langue contre l'anglais. Voilà, votre épée sert à quelque chose, Jean-Marie Roy, à défendre la langue française.